Le quatrième convoi des Maliens de Centrafrique est arrivé hier soir à l'aéroport de Bamako-Sénou et c'était aux environs de 22 heures. Près de 260 passagers, dont une vingtaine de Sénégalais, étaient à bord de cet avion affrété conjointement par l'Organisation internationale de la migration et le gouvernement du Mali. Ces rapatriés donc ont été accueillis sur place par le ministre des Maliens de l'Extérieur qui avait à ses côtés l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays et le représentant de l'OIM dans notre pays. Nous écoutons le ministre des Maliens de l'Extérieur à l'accueil de nos compatriotes venant de Centrafrique. Il est au micro de Nouroum Sissoko. Ce vol est le quatrième vol donc en provenance de Bangui à bord des Maliens. Et ce vol particulièrement est arrivé avec 256 passagers, des Maliens essentiellement, une vingtaine de Sénégalais et deux Burkinabés, qui vient d'être accueilli, qui vient d'être acheminé vers le centre d'accueil. Je pense qu'ils y passeront la nuit, ils subiront des soins de vaccination à leur arrivée et des dispositions sont également prises à ce niveau-là dès demain matin pour le redéploiement de chacun d'entre eux vers les destinations de leur résidence. Et je pense que le tout est assuré, il n'y a pas de problème là-dessus. À ce jour donc, on rappelle, ils sont au total 1900.